Bon François, mettons-nous au travail. En fait, les discussions qu'on a eues ces dernières semaines tournaient autour d'une question qui nous intrigue, c'est-à-dire pourquoi ce qui, du point de vue du corps, du point de vue somatique, fonctionne, c'est-à-dire les équilibres, qui est une sorte d'homéostasie, comme on l'appelle, en fait ne marche pas très bien au niveau psychique, et que cette homéostasie somatique ne se retrouve pas au niveau du psychisme. Oui, c'est ça. C'est la question essentielle. Au fond, tout est équilibré. Si on n'est pas malade, tout peut se régler du côté du plaisir. Tout est au service du plaisir. Et en même temps, la problématique centrale pour la psychanalyse, c'est le malaise dans la civilisation. D'où vient le malheur? Freud, d'ailleurs, a d'abord appelé son texte le malheur dans la civilisation. Comment ça se fait que lorsqu'on met des gens dans une situation particulière et qu'on leur propose d'un côté une porte vers le bonheur et de l'autre côté une porte vers le malheur, la majorité se précipite du côté du malheur? En fait, en quelque sorte, c'est ça l'énigme, on aurait plaisir et déplaisir sont noués de manière indissociable, voire même il y a une recherche, alors par une force inconsciente peut-être, qui nous pousse vers un certain déplaisir, voire même, je parle moi en neurobiologiste, donc tout à fait neutre par rapport à ça, ce que Lacan appelait la jouissance, c'est-à-dire une sorte de plaisir dans le déplaisir. Oui, c'est-à-dire que je crois que ça, c'est ce qu'a découvert Freud, il a mis long. Hein. C'est-à-dire vers 1920, il a émis un texte qui s'appelait Au-delà du principe de plaisir, où il s'est demandé d'où venait l'échec du principe de plaisir. Pourquoi il y a chez l'humain une telle tendance à échouer dans un projet de plaisir? Qu'on a un certain plaisir dans le pire. Une jouissance de ce qui ne va pas. Et ça, je crois que c'est justement l'expérience qu'on va faire aujourd'hui, en se disant, on pourrait aujourd'hui aborder cette question avec une journaliste qui a participé au journal télévisé et qui, au fond, la télévision est une sorte de lucarne sur le malaise dans la civilisation. Il y a presque un attrait par les mauvaises nouvelles. En fait, il y a une sorte, aussi bien du côté du public, qui attend peut-être ça, que du côté des médias, qui peut-être calquent un petit peu le trait là-dessus. Bonjour, Raphaël, ça va? Oui, bonjour. Bonjour. Ça vous semble un peu bizarre, tout ça, ce qu'on a raconté? Moi, j'aime bien les choses bizarres. Alors Raphaël, vous êtes quasiment sur place puisque cet accident s'est produit, cette explosion à quelques 14 km à peine de Long Island. Où en sont ce soir les recherches ce matin pour vous? Alors une centaine de corps ont été repêchés depuis qu'il fait jour, depuis 6 heures. Les opérations vont évidemment beaucoup plus vite. Un bateau est rentré il y a quelques minutes. À son bord, il y avait des journalistes qui ont été frappés de voir que malgré le fait que l'avion est tombé en feu, il y avait des objets totalement intacts à la surface de l'eau, du papier à lettres, des vêtements totalement intacts, donc pas brûlés. Alors les corps qui ont été repêchés sont amenés ici à Long Island et ils devraient être examinés dans les prochaines heures afin de déterminer s'il y avait dans ces corps des traces d'explosifs ou non. Et donc de pouvoir savoir un peu plus s'il y a eu attentat ou pas. Je souffre encore 15 ans après. Non, ce qui est étrange dans cette situation-là, en fait, c'est tout ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a un crash qui s'est produit, donc quelque chose qui implique des centaines de morts. Et vous avez derrière la mer, enfin une image totalement bucolique. Et puis, il y a tout ce que le téléspectateur ne sait pas et que moi, je vis de plein fouet, c'est-à-dire que je suis sur une plage, loin de tous les centres d'information, parce que le centre d'information était à l'aéroport Kennedy. À l'époque, je n'avais pas de portable, puisqu'il n'était pas aussi répandu. Et j'avais en fait aucun moyen d'information. Donc la télévision m'a dit « va à Long Island », ce que j'ai fait en prenant un chauffeur de taxi, en forçant les barrages avec des gros mensonges pour arriver là. Mais une fois que j'étais là, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à quelque chose d'extrêmement grave? Aucune information. J'ai réussi à récupérer un portable quand même de quelqu'un d'autre pour appeler une amie qui était à New York, qui est journaliste avec laquelle j'avais passé la soirée d'avant, pour avoir des informations. Parce que le journal ne se souciait que du fait que je sois là, qu'ils aient un envoyé spécial, mais ce que j'avais à dire, personne ne prenait en compte ça. Et ça, c'est d'une violence incroyable.
vous êtes totalement démunis parce que les gens croient que vous savez. Or, vous ne savez pas. Bon, ce qui est impressionnant dans ce qu'elle dit, on ne sait pas ce qui s'est produit et on voit qu'on est vraiment dans la clinique du traumatisme. Le traumatisme jette hors du langage, jette hors du temps, jette hors des repères et il faut, dans un premier temps, construire une fiction, finalement construire l'événement. Et le journaliste est le chroniqueur. C'est celui qui raconte, qui donne statut d'événement à quelque chose qui, au départ, n'est qu'effraction. Oui, moi, ce qui me frappe, c'est une autre manière de dire la même chose, c'est-à-dire c'est une mise en scène, en fait. Je veux dire, on construit une représentation par l'intervention de Raphaël, qui raconte une histoire, comme elle dit, c'est vraiment une mise en scène. Et donc, on permet aux téléspectateurs de construire une représentation qui va, en quelque sorte, et ça, c'est quelque chose que nous discutons beaucoup dans nos théories sur le lien entre neurosciences et psychanalyse, qui va tamponner un état du corps qui est insupportable, qui est un état du corps de grand malaise. On peut appeler ça traumatisme, stress, ce que l'on veut. Donc, il y a un état du corps, et pour tamponner cet état du corps, il faut lui donner une représentation. Et alors, on crée une mise en scène. C'est une violence, hein. Oui. On parle de violence à propos de ce qu'elle a vécu. Et au fond, toute fiction, toute représentation est un traitement du réel, du réel impossible, insupporté, indicible. Finalement, c'est une sorte de semblant. Et là, il faut mettre un voile, il faut mettre un semblant sur le réel pour que celui-ci soit supportable. Parce que bon, dans cet avion, il y a peut-être des téléspectateurs qui ont perdu quelqu'un, il y a des centaines de corps, ces mots surgissent dans leur crudité, mais cette crudité ne peut pas être portée comme telle. Et déjà, un premier traitement, c'est inscrire ça dans le récit. Et finalement, la télévision, cette lucarne sur le monde, c'est une lucarne où quelqu'un vous met un récit sur de l'impossible à supporter. Là, on est dans une autre phase de la question. Peut-être le premier temps, c'était le traumatisme et son traitement par le récit. Là, elle touche à des dimensions qui ont à voir avec la fascination. Il y a une fascination de tant de destructivité. Bien sûr, c'est une fascination dans l'horreur, mais l'horreur fascine. Et c'est peut-être le point insupportable qui est lié au maniement de l'information, au regard sur le monde. C'est que, dans une certaine mesure, ce qu'interprète le film de Kubrick, c'est la jouissance qui peut être contenue dans la destructivité. Et ça, c'est quelque chose... Freud parlait d'ailleurs d'un patient où, à un moment donné, c'est l'homme au rat, je crois, et à un moment donné, il exprime son fantasme qui met en jeu des rats, quelque chose d'effrayant. Il met en jeu ce fantasme et Freud capte dans le regard de cet homme, au moment où il se quitte la séance, une jouissance exquise, quelque chose d'un plaisir
mortifère, mais d'un plaisir quand même. Et je crois que là, on touche à un point extrêmement énigmatique qui met en jeu des états du corps. Et en fait, il y a une théorie, et c'est encore à valider, mais qui est une théorie qui ouvre une piste intéressante, qui est la théorie des processus opposants, et qui a été particulièrement étudiée dans le cadre de l'addiction, de la dépendance aux drogues. Et l'idée, c'est de se dire qu'une substance addictive, en fait, déclenche un certain plaisir, on va simplifier, mais donc met en jeu des neurotransmetteurs, des circuits neuronaux de récompense, mais qu'en fait, en même temps que ces systèmes sont activés, il y a des systèmes qu'on appellera d'anti-récompense qui sont activés. Si on raisonne en termes finalistes, l'idée, ce serait de maintenir une sorte d'équilibre. S'il y a un plaisir annexé, le système est fait de telle sorte qu'il y a aussi quelque chose qui tamponne cet excès de plaisir par un peu de déplaisir ou quelque chose qui n'est pas une anti-récompense. Et dans le cadre de l'addiction aux drogues, notamment par exemple à la cocaïne, à la morphine, aux amphétamines, l'idée c'est qu'en fait on suractive le système qui contient de la dopamine, un de ces neurotransmetteurs liés au système de récompense, et qu'en même temps on active des neurotransmetteurs qui sont liés au stress. Et que jusque-là, peut-être, pas grosse catastrophe, parce que finalement, il y a quand même une activation de la récompense qui est un peu tamponnée par ce déplaisir. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que la prise de drogue se poursuit, l'effet positif devient moins efficace, et en fait, c'est l'effet négatif d'anti-récompense qui prédomine. Et alors, en fait, le sujet, d'où l'idée de dépendance, c'est que le sujet va continuer à reprendre de manière compulsive ces substances addictives pour retrouver un certain plaisir, mais en fait, tout ce qu'il fait, ce n'est qu'aggraver, disons, ce contraste avec de moins en moins de plaisir et de plus en plus de déplaisir. Et donc ce parallélisme entre addiction, processus opposant et compulsion de répétition avec la double face plaisir-déplaisir, peut être abordé du point de vue des neurosciences de cette manière par la théorie des processus opposants. Oui, la télévision, on a dit, c'est une lucarne sur le monde. Le fantasme, c'est aussi une lucarne sur le monde. Chacun voit le monde depuis la fenêtre de son fantasme. Le fantasme découpe le monde, construit un scénario, construit une scène. Et on interprète le monde à partir de son fantasme. Et c'est là qu'il y a un certain piège sur le plan psychique, parce qu'on l'interprète, on le surinterprète, on le retrouve toujours le même. Finalement, on va introduire aussi par ce biais-là une certaine jouissance de son fantasme. Le sujet, même dans une analyse, lorsqu'il a pu construire son fantasme, c'est pas parce qu'il l'a construit, qu'il l'a rendu conscient, qu'il va être prêt à lâcher son fantasme. Il y a une jouissance du fantasme. Et cette jouissance, c'est ça qu'on doit réussir à couper dans un travail analytique. Et là, on voit que ce qui est mis en jeu par rapport à la dimension de l'horreur, c'est aussi une dimension de jouissance. Et cette jouissance, c'est l'au-delà du principe de plaisir que repère Freud, par rapport à quoi il faut couper. Et le plaisir est issu aussi de la coupure par rapport à un système de jouissance.